Hello! Et Nous sommes. re. On est de retour sur God of War. Voilà, on va se Cette marrer, on fois, va se marrer. c'est moi qui ai les C'est manettes. Alika qui prend, c'est moi qui commente, on va bien se marrer. Et on va reprendre le jeu, du coup, tranquillement. Hop Donc, là. on se met en mode de jeu. On s'était arrêté avec notre ami Kratos qui s'est fait défoncer et qui a défoncé ce qui apparaît être un ancien dieu. Oui, enfin moi, ouais, moi c'est ce que je pense. Hein, c'est en tout cas s'il a dû prendre le contrôle d'un humain. Enfin, en tout cas, on va voir dans la suite de l'histoire. Toi, du coup, le fait d'avoir joué à d'autres God of War, ça te donne des C'est indices vrai par que rapport tu à m'as vu un peu l'histoire? jouer, mais t'étais Ouais. pas là sur la majorité du 1 au 3. Alika était là sur directement sur le 3, quoi. Donc vas-y, c'est Yes. toi, c'est elle qui prend la main. Donc on Donc. va vous faire aussi, on va pour une question d'accessibilité, on va faire des vidéos de une demi-heure. Oui. Dans les premiers temps, parce que comme on a une connexion faible, on va aussi pour l'upload, c'est long. C'est Donc on ça. va faire des petites demi-heures. Donc vous verrez Alika qui va faire sûrement deux fois une demi-heure, on verra comment ça se passe. Sauf si elle foire trop. Oh, il croit pas en moi, c'est Si, nul. je crois en toi, je crois en ta faiblesse. Non, je rigole. Non, non, elle a pris la main, elle s'est entraînée aussi de son côté, parce que c'est moi qui ai fait la première heure. Je me suis entraînée, j'ai refait le Donc début que vous avez vu avec voilà. Jean-Mi, histoire quand même d'apprendre les mouvements, parce qu'il faut pas déconner. C'est ça. Et du coup, on est reparti. C'est Allons-y pour reparti. la suite de l'histoire avec Kratos qui est en train de souffrir le martyre et qui râle qu'il n'en peut plus. Voilà, donc là il rentre Terrible. tranquille chez lui, choper son fils Atreus, hein, Ça, c'est ce qui s'appelle une. pour le protéger de tout. On Il a va l'air bien voir. d'avoir passé une bonne journée de merde, tu sais. Oui? J'en ai marre de ma vie. Putain, c'est nul. Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter tes cendres au sommet de cette montagne. Ah mais non. Il est classe quand même son bâton de marche. Oh putain. Même Kratos, il en jette, hyper classe. Non mais c'est impressionnant. Moi je pensais que c'était quelqu'un, enfin c'était un dieu qui s'était réincarné dans quelqu'un, et là on se rend compte en fait c'est par rapport à la Et discussion moi non précédente que plus. c'est un dieu, c'est toujours Je ne sais Kratos en fait. pas comment y arriver sans toi. Allez, c'est toujours à moi. On y va, on y va. On y va tranquillou. Atreus qui est toujours dans Mais on ne peut pas son rester là. placard. C'est des gens quand même qui arrivent à tracer des traits bien droits dans du bois. Ça, c'est pas de la porte, là. On n'est pas sur les trois petits cochons. Soyons honnêtes. J'ai dit son placard, mais c'est le plancher. Atreus qui est dans le plancher. Oui, bon, c'est un placard plancher, nous dirons. C'est une armoire à meubles. Allez! Atreus. Avec tout ce bruit, j'ai cru que. J'ai cru qu'on Il éclatait a un rien. énorme rocher? Oui. Je vais bien. Viens. J'aime bien le vient, on a l'impression qu'il va lui arracher le Prends tes bras. Ça à affaires. chaque instant, quoi. Nous partons. Allez hop, Ça moi m'avait je pensé à suis cette pas prêt. chanson, à l'aventure, Ne l'est pas. compagnon, je suis parti vers Mais nous n'avons plus l'horizon. le choix. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. J'étais dans mon Je village à crois que j'ai réparer tort. des chaises en bois. Oui, père. Moment solennel. Alors je vous dis, les moments d'intimité, de partage durant les cinématiques, je pense que la majorité s'est foutue avec nous. Attends, ça fout les pieds dans le plat, surtout pas dire ce qu'il faut. Le truc à pas dire, c'est pour nous, on le dit direct. Donc, on va faire le La nécessaire de notre montagne. côté. L'aventure commence. Le Avec un trophée, long au moins on voyage. aura eu un trophée. Oui, mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rangé des meubles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Atreus. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense qu'il faut prendre le chemin, Lika. Voilà. Ah, elle Bon, est en là. plus, regarde, hop. Très bien. Petit truc pour ajouter la vie. Olé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? Ça me fait penser un peu à One Punch C'est Man et ça. les moustiques. Tu l'as Et la tué? reine des moustiques. J'ai fait ce que j'avais à Et faire. paf! Oui, il l'a tué. Allez. T'aurais pu Alors. mourir. C'est bon sur les bords. Ne me laisse plus Enfin, jamais je seul, sais pas si d'accord? tu. D'accord. Il a une voix grave comme toi, Jean-Mi, t'as vu? Oui. Kratos. J'ai fait ce que j'avais à faire. Monte. Vas-y.
Il est pas directif, on a l'impression qu'il va lui mettre une mandale s'il fait pas ce qu'il fait. L'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Deviens un connard. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour Deviens toi. Deviens un gros canard, Toulousain. Hop, allez, saute. Alors. Il est fort, ce Kratos. Moi, je vous dis tout de suite que moi, je vais très vite fermer mon cœur. De toute façon, dès qu'il faut taper, moi, dans le jeu, dans les God of War, il n'y a pas de problème. Alors, on continue le voyage. Hop. Atreus, t'es où? C'est bon. Il me suit. Tu crois que c'est là depuis... On garde toujours un petit peu ce principe de gameplay entre le une phase un peu d'arène de combat multiple. Un classique, oui, hein, dans les God of War, en tout cas dans les jeux de ce type. Et aussi, le principe, je trouve, de des casse-têtes, plus ou moins, avec... quand même une belle mise en avant du décor. Bon, dans les précédents God of War, dans le 3, on sent God of War. Le 1, le 2 était vraiment débile. Il fallait taper bien fort, quoi. Là, on sent quand même qu'il y a une très grande touche de. Alors, a priori. Voilà. C'est censé congeler. Ok, très bien, ça me. Alors, je t'invite à rappeler ta hache. On va l'appeler. Cette hache, on va l'appeler Gertrude. Pourquoi rappelez, Gertrude, ça va être beau. Gertrude, ça, rappelle Gertrude. Ça servait à rien. Ouais. Alors, là il y a un truc déjà. Ouais, essaye de récupérer un peu les trucs. J'ai vu un petit point sympathique sur la droite. Là? Sur la droite, donc ça c'était la gauche. Ah attends, il y a un autre truc là-bas. D'accord, très bien. Donc il faut le savoir, on non, va non. rigoler avec Alika. C'est faux. Entre la gauche et la droite. C'est faux. Régulièrement. Tac, tac. Ah, il y a un... Désolé. Il y en a qui est resté planté. Voilà. Là, tu m'as dit sur la gauche. Sur la gauche, de quoi tu parlais? Non, j'avais dit la droite, toujours. Ah, pardon. J'aime bien, vous verrez. Le donc, saut, comme je vous l'ai dit. Ah oui, ça peut-être. Alors. Ah ah. Pas mal. Il y avait un truc dedans, déjà, ça vaut le coup. Très bien. Très très bien, allons-y. Non, moi je te parle vraiment de la droite, en fait. Rappelle Gertrude. Donc non, on est toujours au même endroit, Nika. Voilà, regarde. Moi, je pars du principe qu'il y a une grosse roue avec un point blanc dessus. Voilà. On peut faire ça. De l'interaction. Sorry, j'avais pas. Ah bah nickel. Vas-y. C'est bon. Ordonnez à Atreus. Bah vas-y, je t'en prie, Atreus. Oui, père. Très bien. Merci, Atreus. Allez, lâche sa papette. Moi, je vous dis discrètement que Alika va nous refaire un aller-retour. Attends. Pourquoi? J'ai oublié un truc. Non. Je ne spoil rien. De toute façon, je n'ai pas vu, mais habitude des God of War. D'accord. Voilà. Bon, c'était pas long, hein. Et oui, mais non. Tu sais comment je l'ai deviné? C'est parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai figé un truc avec ma hache et je me dis, tiens, ça devait servir à ça. C'est ça. C'est que, bah oui, en fait, le... Allez, c'est pas grave, on refait. On y va, on y va. C'est l'habitude, prendre l'habitude du jeu. Alors là, du coup, est-ce que je peux... Mais oui. Oui. Allez. La Gertrude. Bonne idée qu'il m'a dit. Bah oui, petit. Bah oui, après être descendu jusque... Après être monté jusque-là. Ah non, on n'a pas que ça à faire, monsieur. Hein? Rappelez-vous ce magnifique film français, Les 12 travaux d'Astérix. Vous serez plongé dans les profondeurs infernales. Faites monter jusque là. Ah non, on n'a pas que ça à faire. Pourquoi il me donne toujours de la vie au moment où je n'en ai absolument pas besoin? Parce que c'est didacticiel et on s'amuse. C'est pour te faire croire que le jeu va être simple. C'est God of War. Allez hop. Allez hop. Est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Oui. Gentil? Non. Peut-être bien. Alors attends, il y a un truc que j'ai pas pigé. Me dit... Comment tu... Au secours? Non, j'ai l'impression que c'est un petit peu une difficulté de la caméra, je pense. Ah! Penche un peu la caméra, voilà. D'accord. Ouais, en fait, voilà. Oh, parce qu'il voit pas le truc, il peut pas y aller. Dis donc. On est en jeu triple A, c'est un peu compliqué, sans c'est délicat. Compliqué, donc, non, hein. En fait, je pense qu'il faut qu'il voit la zone d'atterrissage avec le rond pour faire l'interaction.
Oui, c'est ce que je viens de comprendre du coup. Allez, bah, on va lui faire plaisir. Bon, on critique pas, il est beau. Il est beau, puis c'est God of War. Allez, hop. Alors, non, c'est bien que... la peine de descendre du dos si c'est pour y remonter, monsieur. Hein? Dire que c'est pas parce qu'il porte des troncs d'arbres qu'il va devoir scoltiner son oh, fils. Oh, c'est beau. On dirait le début, tu sais, de Zelda quand t'as toute la Hyrule qui se. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à Horizon Zero Dawn, qui est franchement qui fit des plans comme ça. Je pense que tous les jeux le font, hein, c'est la particularité. Exemple, on le ressentait. J'aime bien. Le symbole est brisé là. C'est toi qui les as coupés? Non. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Non. Ah. Pourquoi elle a fait ça? Parce que. Le long silence qui en dit beaucoup. Tu sais, c'est quand t'ignores ton gosse qui te pose une question que t'as pas envie de répondre. Pourquoi? On y va. Trop tard pour les bah parce que. Bah pourquoi? Bah parce que au bout d'un moment. Pourquoi? Il me parle. Tu me casses les nouilles. Voilà, c'est ça. Je suis une fougère. Oublie-moi. J'aime bien casser les. Tu peux rappeler Gertrude, à mon avis. Je me doutais bien. Hop! Atreus, tu te démerdes. Voilà, comme je le disais, par contre, c'est vrai qu'effectivement, tous les jeux comme ça, avec le plan large, je ne suis pas assez connaisseur de savoir Atreus. Ce qui vient. Allez, ce qui en vient ou pas, ou qui est le créateur de ces principes-là. Moi, je les ai connus vraiment beaucoup, ça m'a marqué dans. Combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Dans les Drake. Je ne sais pas. Donc, ça y est, j'ai on perdu sera le nom. Je ne sais pas. Comment il s'appelle le jeu, ça y est. C'est trop longtemps que j'y ai pas joué, il faut que je le reprenne. Avec Nathan Drake, là. Uncharted. Les Uncharted. Où vraiment la sensation était là de grandeur, de décor, de plus en plus jusqu'au 4 qui est monstrueux. Attends mon signal. Ah. Ah. Alors comment on joue déjà? Là on se protège. Attends mon signal. Bien sûr qu'on les attaque. Vous allez voir que tout compte fait, j'ai vu Alika reprendre le tutoriel et je trouve que en termes d'équilibre de combat, elle est vraiment meilleure que moi. Parce que moi je suis totalement bourrin Kratos. Non, pas encore. Il est figé pour l'instant, il m'emmerde pas. Ah oui, c'est pas vrai. Ah, maintenant il est plus figé. Je rappelle. Vas-y. Vas-y, attaque, attaque. Attends. Alors voilà. Je pense qu'on verra plus les différences entre moi, bourrin, qui va mourir 15 fois, surtout dans des phases où il faut un petit peu de tactique, et Alika qui se retrouve à faire quand même. À faire beaucoup. Sois prudent, il me dit. Voilà. Alors que moi, je ne le serais pas. Et voilà, déjà un de moins. Hop là, le suivant, on se protège, tac. Et hop. Attention, il va m'attaquer. Ah non. Vas-y, Alika. Voilà, c'est bon ça. Non, parce que je suis mort plusieurs fois quand même, hein, il faut le dire, hein, avant de comprendre qu'il fallait pas être bourrin. Non, moi, je ne l'ai toujours pas compris. Y'a pas de problème. Ça sent encore le merdier. Il est où? Alors, Quand tu lances du feu. Pour rappeler pour tout le monde, hein, en fait, le principe, moi, comme je vous décris les scènes. Joli. Ah merde! Oui, fallait se parer aussi. Alors, c'est qu'en fait, les flèches nous permettent, les couleurs de flèches nous indiquent quand quelqu'un est dans un dos proche pour faire les actions. Voilà. Ça s'est réglé. Il y en a encore un. La musique ne s'est pas calmée. Indicateur de menace autour de Kratos. Voilà, ah oui, ça j'avais vu. Voilà. Ok. Ah ok. Et donc, alors, faire volte-face. Ah, mais c'est bien ça, volte-face. On s'excuse aussi, de temps en temps, vous entendrez des petits craquements. Nous ne savons pas ce qui se passe au niveau de... Putain de merde, pardon. Vous l'avez entendu. Alors, il faut que je vous avoue que pour l'instant, ça va venir après, mais je sais pas encore trop manier Atreus pour qu'il m'aide. J'ai un peu du mal. Voilà, là oui, ça va, mais... De toute façon, j'ai bien compris que Atreus... Ne ah oui, on peut loquer comme ça, voilà. J'avais oublié ça. Atreus ne peut pas pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas s'il peut mourir. Du coup, fait un peu tampon. Autant pour Alika que pour moi. Donc, c'est un peu lui qui attire tout le monde, et nous, à bronze, comme ça, on se sépare un petit peu. Donc, en gros... du jeu. J'en ai bloqué un. Ah, joli. Vas-y, je t'en prie. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce que j'aime ces scènes d'action. Mais c'est pour ça que je l'ai fait au point, j'avais envie de voir ce truc-là. Allez, volte-face, on a dit. Ah, ouais, je prends le garde. Joli. Contre total, nous parlerons des 7 Deadly Sins plus tard.
On peut y aller. Oh, on va se calmer, mon petit, oui. C'est excellent. Franchement, mais même rien que de regarder, moi, ça me défoule. Allez, vas-y. Merde. Ah, c'est R1. Fuck, pardon. Je me suis pas. Ouais. On le lock comme ça, voilà. Plus que deux. Super. Alors, tu peux. Ah, attaque imminente. Esquive. Et à mon avis, ce sera en hauteur. Esquive. Voilà. Ah, plus que deux, tu parles. Vas-y, Alika. Alors. Pour info, Alika, calmement, oui. Vas-y. Et en fait, sois un peu plus quand même contact. C'est-à-dire que même quand ils sont par terre, tu peux les taper. On est dans le God of War, c'est-à-dire que tous les coups sont permis, surtout les coups vicieux. J'ai failli avoir un projectile. Ouais, ouais. Mais c'est un. Allez, deux. Ouais. Oh merde. Alors, si ça te stresse. Ça me stresse pas. Tu peux déclencher ta rage. Ça va taper plus rapidement. Ah, je savais pas ça. Allez, esquive. Non, tu n'as pas esquivé là, faut les taper. Hein. La rage, c'est la rage du dieu. Voilà. C'est très bien ça. Alors, où est-il? Vol de face. Où est-il? Voilà. Joli, petit bon. Hop, et c'est terminé. Alors, à mon avis, t'en as un hauteur. Lève la caméra un petit peu. Regarde là, en haut. Ok. Voilà. Non, je fais le dash. Il a pas loqué. Ah putain! Fuck. Je pense que ça va être le mot du jour. Pardon. Il y en a encore. Comment c'était? Je t'ai aidé? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Oui, et puis. Attends. Bon, ça va. De toute façon, pour l'instant, c'est le tampon. N'attends pas que je te l'ordonne parce que moi, je m'occupe pas de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-haut! Ah, vas-y. Ah! Et quoi? Très bien. De l'argent. Regarde si t'as pas des choses qui sont tombées un petit peu. Yes. Non, apparemment non, c'est là d'où tu viens, donc non. Oui, je regarde au cas où. Je pense que la suite est là. Tu peux lire quelque chose là, apparemment. Ouais, tu peux faire Attends, une interaction j'ai un, en carré. J'ai un truc à voir ici d'abord. Okay. Et l'interaction, on a dit. Carré. Atreus. Viens. Pardon. Atreus, viens là avant que je t'en colle une. Ok. Des Jotnar. Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre même si je les ai pas apprises. Tu vois? Ouais, donc tu seras rien, quoi. Nous avons retrouvé Kenny de South Park. Je n'ai pas compris pourquoi on avait un bug de son. A priori là-haut, j'ai plus. Ah si, il y a encore un saut. Ah oui, il y a encore un saut, bien joué. Ok. Qu'est-ce? Et les gens, ils planquaient leur thune en hauteur. Avant, c'était le poisson, maintenant c'est la thune. Dans des sauts, tu sais. Dans des sauts en hauteur. Allez, on y va. Allez, Béatrice. Bon, ce sont des offrandes, apparemment, pour les dieux. Je ne suis pas assez calé en mythologie. Le chemin de la montagne. Tout ce qui est lié à... Et descendre de la montagne avec Atreus. Ah, oh, tu te calmes là, l'excité, va. Je vais essayer de lui faire un contre, mais... Je vais essayer de contrer. Raté. Bon, c'est pas grave. Allez, dégage. Voilà. Oh bah, ça c'est réglé, hein. Pied-bouche. Pour commencer, toujours une belle action. Repied-bouche. Montée, troisième, deuxième corde, première corde. Hop là, boum. Ah, là, c'est, petit... oh, c'est beau, j'adore ça. C'est très très beau. Sachant que Game of Thrones revient bientôt, on a l'impression d'éclater des marcheurs blancs partout. Grave. Donc je pense qu'on est bien. Autre chose. On est bien. Espace tes tirs, la vitesse. Et si tu rappelles Gertrude. Et j'aime bien faire au point aussi. Bah, il suffit de faire flèche droite sur le pad. C'est vrai. J'ai vu. Non, non. Alors, c'est quelque chose, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde d'autres streamers et qui me passent devant un coffre et qui ne le voient pas et qui discutent, je crie en faisant « Mais prends-le! Mais prends-le! Mais tu le vois pas qu'il est là !» Et lui, non, mais vous voyez, on peut remarquer que... Attends. Non, il s'en fout, le coffre en premier.
Attaque runide, rapide. Soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. D'accord, et comment je l'utilise ? Vous avez obtenu une gemme d'attaque qui permettront de personnaliser vos armes. Allez dans l'onglet armes et insérez la gemme à l'emplacement. D'accord ? Du coup... Non, là, ils te font juste le didacticiel, t'as juste à appuyer, en fait, pour t'expliquer comment mettre. Vas-y. Donc là, ils t'expliquent la puissance, que tu peux l'upgrader en utilisant des runes, ou en tout cas, en faisant de la récupération. Enfin, en tout cas, les compétences que ça apporte en plus à ton personnage. Ouais. Pardon. Ok. Ils nous disent qu'on peut les augmenter avec l'expérience avec le temps. Donc, il va falloir taper du mob. Bah, pas de problème. Très bien, très très bien. Les attaques runiques sont équipées par le symbole E. Appuyez sur rond pour revenir au long des dames. Donc là, c'est moi. Et du coup, elle est équipée par défaut ? Là, tu l'as mise, regarde. Ok, ça marche. Donc là, il te dit juste de revenir, fais rond. Voilà, hop, merci. Merci. C'est bien, c'est que le mec, il l'a équipée alors qu'il l'avait en main. Maintenez L1 puis R1 pour effectuer une attaque runique rapide. Genre, ça. Non, les deux en même temps. Quand il y a un plus, en fait, tu déclenches les deux en même temps en faisant L1 et R1. Oui, c'est pour ça. Voilà. Waouh. Ah, tu veux le savoir, hein. Très bien. Aller par ici. Allez, hop. Allez, la suite. Vas-y. Merci. Franchement, les décors, ils sont vraiment de toute beauté. On peut pas dire. Hein. Allons-y. Attends. Allez. Cours sur un pont. Il est casse-pied. Mais qu'est-ce qu'il est casse-pied sur le là. Faites des gosses, je vous jure, faites des gosses. Ah, j'en là. Étais sûr. Ah, là. Oh, c'était pas couru d'avance, ça. Aide-moi. Bah non. Aide-moi. Accroche-toi. Vite. Ah bah oui. Merci. On sait qui c'est qui va nous foutre dans la merde tout le long. Tout le temps. Oh merde. Salut, lâche-le. Ah. Oh, le guet-apens. Si calme-toi. Ton empressement nous tuera. C'était quoi déjà ? R1, L1, R1 ? Voilà. Alors, dans ton. Ouais. Dans les icônes qui sont en bas à gauche, il faut que tu aies le petit losange apparemment bleu qui soit allumé. C'est-à-dire qu'il se soit rechargé. Il y a un temps de rechargement. Plus mort. Atreus. Arrête de les toucher. Ne les touche pas. Voilà. Et que. Quel abruti. Oh, il y a des niveaux de difficulté. Très bien. Excusez-moi pour les drops de son là. N'oublie pas la précision avant la vitesse. Niveau, désolé. La précision avant la vitesse. Non, la bourrinitude. Telle qu'elle se comporte dans le mode d'espoir. Attends, j'aimerais bien tester mon nouveau truc là. Mais, alors. Bonne te passe, merci. Elle a un rang en même temps. Tu peux le faire. Bien joué. Ouais, donc bon. Ça les stun. Si, ça moyennement les stun. Efficace. Si, ça les stun. Bien. Moyennement efficace. Attention. Ah, mais allez, j'ai fait le bouclier, bande de. Oui, mais le bouclier, c'est pas parce que quelqu'un va t'attaquer dans le dos ou que t'as sorti le bouclier que tu ne prendras pas de coup. Ok. Faut qu'il soit face à toi. C'est attendez. Mais j'étais face, il me semblait. Non, moi il me semble que celui que t'as pris était un peu de côté, donc peut-être que c'est le jeu, peut-être pas, bon là, l'indécision est grande. Ah, y'en a qui crachent du feu, fuck. Vas-y, fonce. Allez. Ou toi, je vais m'occuper de toi en premier. Non, pas toi, putain. T'es chier. Ah, bordel. Qu'est-ce qu'elle est vulgaire, Alika, dès qu'elle est pas... Hein. Non, mais il est où? God of War, le roi de la guerre. Le dieu de la guerre. Et la déesse de la guerre, Alika, qui nous fait la brutasse. Allez, bloque-moi un petit peu. C'est R3 en cliquant. Oui, mais j'aime pas ça du tout parce que en fait, il m'en lock un seul et celui derrière, il me. Voilà, c'est pas de vulgaire, mais. Ce sont tous des canards. De gros canards, me dirons. Vas-y, Alika. J'aurais bien aimé, tu vois, me faire celui-là, là, en premier. Vas-y! Je peux pas parce qu'il y en a encore, il y a encore un gros débile là qui m'emmerde. Pardon. Ah, j'ai hâte de la suite, sachant que c'est les petits ennemis, ceux-là. Oh bah ouais. Ça va, hein. Où est-ce qu'il va me faire N'oublie reprendre pas, la précision avant la vitesse. Ouais. Alors, il va falloir un petit peu que tu essayes quand tu les vises avec carré. De dire à ton fils, voilà, de tirer les flèches. Ah, mais en fait, il les vise par défaut. Bah oui, dès que t'as le viseur dessus, le fait. Ah putain.
Le maître mot. On va rajouter beaucoup de bips sur les vidéos. Alors, essaye d'éviter de poisson par terre, Alika. Tape. Ouais. Tape, tu t'en fiches. On est dans God of War, on n'est pas en train de faire un saut. Donc, tu tapes. Dès qu'ils sont en faiblesse, tu tapes. Voilà, regarde, allez. Il n'y a pas que du R2. R1, c'est aussi de la frappe rapide. Donc, ouais, ça te permet de compenser. Faut commencer par du R1, si tu veux. R2 pour les envoyer en l'air. Voilà. Et après, R1, regarde. Du coup, tu les maintiens en l'air. Ah, tu peux l'éclater. Un petit R3, raté. Volte face. Allez, on va pas mourir deux fois, hein, ça suffit. Ça va bien. Volte face. Le dieu du village. Voilà. Bien joué. Allez, fonce dessus. Reste pas en arrière. Essaye d'aller au contact, tu vas te faire avoir. C'est des arènes en fait, avec okay, des tireurs de loin. Donc, du coup, si tu le fais pas, tu vas te faire piéger tôt ou tard parce qu'ils vont quand même rester à une certaine distance. Parfait. Là, il y a eu un contre. Allez, allez! Attends pas! Voilà. Non, non, pars pas! J'ai une attaque imminente là! Ah, d'accord. Violet, ça veut dire attaque imminente. Il y a un besoin précis. Ça veut dire crevage imminent. Parfait. Allez! Volte face! Tu l'as pas tué celui derrière toi. Je voudrais que tu les finisses en bas, sinon tu ne pourras pas. Ils vont. J'avais pas fait gaffe. God of War le fera, enfin, le jeu le fera pour toi. Il va te rappeler que si tu n'y arrives pas, tu ne finis pas. Ok, il doit m'en rester un en face. Non. Attends, déjà je vais aller tuer le du village. Voilà, comme ça lui il se réveillera pas. Ensuite, il est en haut. Mais il est en haut, j'ai vu. Demande à ton fils de les tirer peut-être. Voilà, regarde. Allez! C'est ce que je fais? Attends. Ok, maintenant. D'accord. Putain. Allez, rappelle. Parfait, fais le deuxième. Attends. Bien joué. C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. C'est quoi le truc vert là-haut? Si tu ne tires qu'une fois. T'as vu? L'importance, ah ouais, de la maîtrise. Essaye de le viser. Qu'est-ce que lance. C'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Lance. Bien joué. J'ai trouvé un truc. Oui. D'accord. Nouveau travail. Fais une flèche du haut, ils te disent. Fallait rester appuyé. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, il faut tuer des corbeaux. Ok, d'accord. D'accord. Bon, à mon avis, ça va plutôt être des trophées. Je ne sais pas, ouais, si ça va nous apporter, ouais, des, ouais, choses. Moyen, allez, moyen. Alors, on est arrivé. Donc, on est tombé. Ok, très bien. Ma foi, je sais que c'était une courte VOD, mais ah, pour les besoins de notre upload, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette, oui, VOD. Très bien. Donc, très bien, voilà, c'était mes beaux exploits. On va repasser en mode général. Mais oui, excusez-moi. Pardon. Hop. Je disais que c'était du coup une... Attends, tais-toi. On entendait encore Atreus. Je disais donc que c'était une courte session avec mes premières paniques au combat. je c'est pense les débuts, que... c'est les débuts. Après, les mobs sont de pire en pire, donc on va rigoler. On va... Du coup, on s'arrête là pour cette VOD. Et nous, je pense qu'on va continuer tout de suite. Et du coup, la suite sera rapidement disponible. On vous dit à tout de suite. Merci d'avoir suivi, en tout cas. On reprend après. Une courte pause. Oui.